Bonjour à tous et bienvenue sur mon journal créatif numéro 7. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà commencer cette vidéo par vous remercier pour déjà toutes les vues et tous les commentaires que j'ai eus sur le dernier journal créatif. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir que finalement la vidéo vous a plu, que ce que je vous présente vous plaît et surtout que derrière on puisse échanger, discuter, se donner des bons conseils. Enfin bref, voilà, moi c'est ce que je recherchais en faisant des podcasts et du coup je suis très contente parce que ben c'est ce qui se fait et ça m'a encouragée à retourner ce mois-ci. Donc oui, 2 mois d'affilée, on est quand même plutôt pas mal. On verra du coup pour le 3e mois, mais ça semble parti plutôt correctement. Donc du coup, on va commencer ce podcast. On aura plusieurs parties. Donc comme la dernière fois, une partie blabla, une partie couture, une partie crochet, une partie tricot et une partie coup de cœur. Ce que je voulais faire aussi, que je me suis rendu compte que j'ai pas fait l'autre fois, c'est vous présenter un peu ce que je porte. Alors je porte pas forcément du 100% fait main tous les jours, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas encore assez d'habits fait main pour en porter tous les jours. Donc là aujourd'hui, voilà, je porte un t-shirt, en fait c'est un t-shirt du commerce sur lequel j'ai floqué le petit message ici. Donc je sais pas si vous avez pu le voir sur mes anciennes vidéos, j'ai une silhouette portrait. Et j'ai aussi une, je la regarde parce qu'elle est ici, j'ai aussi une presse à chaud pour justement floquer toutes les découpes que j'ai pu faire avec la silhouette portrait. Donc ça c'est une petite inspiration que j'avais trouvée sur internet et que j'avais trouvée très rigolote. Donc voilà, je me la suis faite. Et bon ben malheureusement le t-shirt c'est un t-shirt du commerce, mais bon c'est un t-shirt tout simple gris. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce que je porte. Maintenant, mais on va pouvoir attaquer la partie blabla, même si elle a déjà bien fortement commencé. Donc, côté blabla, première partie, ce que je voulais, c'était les remerciements. Donc ça, c'est fait. En fait, c'est parce que je regarde devant moi. Parce que donc j'ai un carnet de couture dans lequel je m'organise. Donc ça faisait partie aussi de la partie blabla, donc je voulais vous parler, savoir si ça vous intéressait de savoir un petit peu comment je m'organise en couture pour le rangement de tous mes patrons, de mes tissus, voilà, savoir un petit peu là. Donc là j'ai un carnet couture que j'ai mis en place dans lequel on voit un petit peu, moi j'ai une vue globale sur toute l'année ainsi que des pages spécifiques couture et tricot. Bah, je vais vous en montrer une. Par exemple ici sur un projet que je me suis fait avec entre autres les silhouettes que faisait donc je sais pas si elle le fait toujours, mais en tout cas pendant le confinement Clotilde du blog Couture and Clo proposait des silhouettes en fait. Donc il suffisait de lui envoyer une photo et avec une contribution de 1 €, elle nous faisait les silhouettes. Donc voilà, ça faisait partie des premières choses dont je voulais vous parler. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo spécifique sur l'organisation de couture, voilà, un peu, voilà, comment je me, enfin moi j'aime bien que toutes les choses soient vraiment très carrées. Voilà, je peux pas coudre par exemple si ma pièce n'est pas rangée, aspirée, propre et nickel, c'est impossible pour moi. J'ai un problème psychologique. Après bon, on en a tous, ça hein. Je veux dire c'est pas grave, j'ai mais bon, donc voilà, il faut que les choses soient super organisées. Alors ça dépend des domaines. Si ma maison n'est pas rangée mais que j'ai la flemme, je le ferai pas. Par contre si je dois coudre ou si je dois travailler dans un endroit qui est pas rangé, qui est pas organisé, pour moi c'est pas possible du tout. Donc voilà, ça c'était pour une première partie. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois que je voulais faire un petit peu des tutos et que je savais pas trop comment m'organiser. Donc là, en fait, j'ai trouvé sur internet un trépied pour téléphone et j'attends juste qu'il arrive. J'ai pas mal d'idées de tutos. Par contre, si vous avez des idées aussi, ça m'intéresserait que vous les laissiez en commentaire. Ben voilà, pour qu'on partage et que s'il y a des choses qui vous intéressent,
voilà, que je puisse réfléchir à comment filmer ça, comment organiser ça. Et dès que mon trépied arrivera, bah, j'essaierai de, voilà, de regrouper un petit peu les vidéos qui sont le plus demandées et puis de m'organiser pour les tourner en fait. Voilà, et enfin pour la dernière partie de la partie blabla, je voulais vous parler. Donc là actuellement je suis dans la Ardennes, je vis dans les Ardennes, je pense que j'avais parlé dans les précédents podcasts. Et cet été je vais déménager dans la région bordelaise, plus précisément aux alentours de Saint-André-de-Cubzac pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et donc bah voilà, je voulais vous en parler, savoir s'il y a des gens qui me regardent et qui sont présents sur place et qui font bah, de la couture, du tricot, bah pourquoi pas commencer à échanger parce que du coup je vais arriver là-bas, je ne connaîtrai personne, donc ça pourrait être sympa de connaître un petit peu des personnes de la région et voilà, commencer à échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même à me contacter directement sur Instagram. Je vous laisserai donc, je mettrai mon compte Instagram dans la barre d'infos, c'est la Fabrique Dorée. Je vous le noterai par ici. Voilà, c'est terminé pour la partie blabla et on va passer à la partie couture. Donc pour la partie couture, ce mois-ci, j'ai pas mal cousu en début du mois. Alors, en gros, la première quinzaine du mois, j'ai cousu vraiment beaucoup. Puis après, plus rien du tout. Alors, plus rien, pourquoi? Parce que à partir de la deuxième quinzaine du mois, je me suis dit qu'en fait, ce serait bien que je commence à coudre un peu des vêtements qui s'assemblent. Parce que je commence, en fait, j'ai pas mal de vêtements cousus main. Mais soit qui me vont pas, soit enfin qui me vont pas dans le sens, c'est morphologiquement ça me va pas. Le vêtement me plaisait, je l'ai cousu, mais ça me va pas spécialement. Ou soit c'est que je couds des vêtements à motif, mais qui ne vont pas ensemble. Donc ce qui est problématique, j'ai pas envie de ressembler à un clown. Et donc du coup, moi je me suis dit que ça pouvait être sympa un peu que je réfléchisse à des associations de vêtements. Alors je sais qu'il y a la méthode Dressed là avec le livre qui est sorti, tout le monde en parle et en parle en bien. Mais ça me paraît un peu trop carré, un peu trop guidé pour moi. Donc bon, pour l'instant je ne suis pas encore attirée par ce livre. Ce que je pensais plus faire, c'était me dire, bon ben voilà, j'ai une pièce ou j'ai envie de me coudre une pièce dans tel tissu. Ben, tout de suite avant de le coudre. Je vais déjà sélectionner un. Par exemple, si je dois coudre un bas, ben, sélectionner le tissu d'office qui va avec pour le haut. Et ben, comme ça, j'aurai tout de suite une association qui va ensemble. Et en m'obligeant à avoir une pièce unie. C'est-à-dire que ben, un haut noir, par exemple, ben, forcément, c'est avec plusieurs pièces. Certes, je l'aurais cousu ce petit haut noir pour aller avec telle jupe ou tel short. Mais il ira forcément avec d'autres choses parce que des hauts unis en général, bon. Ça va quand même avec pas mal d'habits ou de motifs en tout cas. Donc voilà, je suis pas mal en réflexion sur ce sujet-là. Et j'ai voulu passer commande, mais bon, pour l'instant, les sites de tissus, c'est un petit peu compliqué de commander dessus, ce que je comprends tout à fait. Mais donc du coup, ça m'a un petit peu freiné dans mon élan. Donc bon, on verra pour ce mois de juin prochain ce que je vais coudre. Mais donc, en tout cas, pour le mois de mai, j'ai quand même cousu. Là, je suis en train de regarder 5 pièces. Donc 4 vêtements et un sac à projet. Donc on va commencer tout de suite avec le premier vêtement. Le premier vêtement, donc, c'est un petit top Ségur de Cozy Little World. Donc le voilà. Alors moi, c'est cadeau. Je ne repasse pas mes vêtements. Je m'en fiche un peu, sauf si vraiment, vraiment, c'est fort plié. Là, je vais peut-être le repasser avant de le porter, mais du coup, alors pour le podcast, c'est mort des chemins. Donc, pour âme sensible, désolée. Donc, voilà mon petit top Ségur. Donc, là, en fait, on voit peut-être pas bien la couleur, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est plus ça. C'est plus ça, normalement, c'est un kaki. C'est un kaki. Donc le top Ségur, c'est un top, je pense que tout le monde connaît, où il existe énormément de variantes. Donc là, ici, c'est la version devant boutonné et dos simple. Donc le top se caractérise, en fait, il y a un devant, un dos, une parementure devant et une parementure dos. Voilà.
Donc moi, je les ai entoilés et sous-piqués. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc il y a des pinces sur le devant. On va les voir ici. Dans les plis, c'est cadeau, hein? Voilà, et ensuite ben, on a toute une pâte de boutonnage et un ourlet donc, pour lequel j'ai fait un double rentré de 1 cm. Voilà. Alors, ce petit top, j'adore le top Ségur. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi qu'il y a des bretelles. Alors, on peut faire plusieurs styles de bretelles. Moi, j'aime bien les bretelles classiques. Par contre, à chaque fois, je fais des bretelles qui sont réglables. Parce qu'en fait, je trouve que parfois, ça peut arriver. J'ai fait deux tops en fait en lin. Et ça arrive que dans la journée, par exemple, ou si je mets ça en été avec un maillot mouillé en dessous ou quoi, le top se détend. Et donc, les bretelles, enfin moi, je les entoile pas, elles se détendent aussi. Et donc, à la fin, je me retrouve avec un décolleté abusé, quoi. Donc, j'aime autant faire des bretelles réglables et les ajuster. Si nécessaire dans la journée ou voilà, en fonction peut-être des sous-vêtements que je porte ou voilà. Donc ça, c'est pas prévu par le patron, mais honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de regarder un soutien-gorge, de voir comment c'est monté et puis voilà. Et puis pour tout ce qui est boucle de réglage, donc moi, je les ai pris sur le site de Mercerie Extra. Pas très cher et honnêtement, j'ai eu aucun souci avec. Elles sont plutôt de bonne qualité. Donc voilà. Donc, petit top Ségur que j'adore, j'aime beaucoup la forme. Au niveau de la taille, alors au niveau de la taille, normalement je fais un 38. Dans la plupart des patrons, mon tour de poitrine correspond en moyenne à un 38. Et pour ce top-là, j'ai dû faire un 34. Donc, deux tailles en dessous quand même par rapport à ma taille. Alors, j'avais déjà commencé, donc le top Ségur, je l'ai cousu il y a très longtemps. Pour la première fois, j'avais déjà commencé par un 38 qui était trop grand, donc j'avais refait un 36 qui était trop grand, et j'avais refait un 34 et là il me va parfaitement. Et ça s'est avéré. J'en ai fait un pour ma soeur aussi, et j'ai dû lui faire aussi deux tailles en dessous de sa taille de poitrine par rapport au tableau des tailles aussi. Donc bon. Parce que sinon, en fin de compte, ça baille au niveau de sous les bras et puis du décolleté quand on se baisse. Et là, je ne suis pas du tout serrée dedans, je vous mettrai des photos. Enfin, je suis tout à fait bien dedans, j'ai largement de la marge en ayant fait deux tailles en dessous, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le top et pour. Je suis en train de voir si j'oublie rien. Au niveau des marges, ah oui, donc oui, parce que du coup, je me suis super notée maintenant. Est-ce que les marges de couture sont incluses, etc. Parce que moi, j'aime bien quand les marges de couture sont incluses. J'aime autant les retirer si je dois modifier le patron. Mais si je dois pas le modifier, au moins elles sont déjà prêtes, quoi. Donc là, donc j'ai fait un 34. Les marges de couture sont incluses. Ça dépend des pièces. Il y a certaines pièces comme les bretelles où elles sont incluses. Et certaines pièces comme par exemple le devant ou le dos. Et puis elles ne sont pas incluses. Mais c'est bien précisé sur le patron de rajouter les marges de couture à tel endroit ou à tel endroit. C'est bien précisé. Il y a peu de chances de se tromper. Voilà. En termes de métrage de tissu. Donc j'ai fait deux tops, donc le mien et celui de ma sœur, les deux dans le même tissu, dans 1,50 m de tissu les deux. Donc sachant qu'il avait un en 34 et un en 38 ou 40, je ne me souviens plus. Et donc en termes de modification, à part avoir fait donc une taille 34 au lieu de faire, et pardon, je suis désolée, ça sonne, je vois que. Donc à part avoir fait une taille 34 au lieu d'une taille 38, c'est tout ce que j'ai fait. Et en ce qui concerne le tissu, donc le tissu, c'est un crêpe de viscose que j'ai commandé sur le site Rascol. Je ne recommanderai plus jamais de la vie entière ce tissu. Alors, il est super agréable à porter. À porter, c'est un vrai régal. On le sent pas, franchement, il est doux, il est léger, il est génialissime. Par contre, il est super fragile. Enfin, clairement, déjà à couper, c'était une vraie galère. J'ai complètement galéré, le tissu il bouge, à peine on regarde, il bouge. Enfin, j'ai complètement galéré, ça m'a dégoûté.
Donc, une fois que j'ai cousu le top et tout, je le passe en machine parce qu'en fait, j'utilise des feutres qui s'effacent à l'eau. J'étais en train de regarder si j'en avais un sous la main, mais j'en ai pas. J'utilise des feutres qui s'effacent à l'eau pour écrire sur mes tissus. Donc, forcément, bah, je le passe en machine avant de le porter, sinon j'ai du bleu de partout. Et en le passant en machine, j'étais dégoûtée parce que quand je l'ai ressorti, je sais pas si on va voir là, mais j'ai dû rapiécer. En fin de compte, au niveau du dos, au niveau du dos, donc en fait à l'endroit où on crante pour faire le petit V du dos, en fait le tissu s'est complètement effiloché. Alors c'est normal, c'est un endroit où on a cranté. Mais il est pas. Je sais pas pourquoi mon truc il fait pas la mise au point. Mais il devrait pas s'effilocher comme ça. Et là, donc là, c'est la première fois que je lave. Deuxième fois que je lave, donc là, il sort de la machine à laver. Je sais pas si on va voir. Là, mais le devant, pareil quoi. Donc en fin de compte, bah, moi je suis dégoûtée quoi. Enfin là, bah, je sais pas si. Donc là, il va falloir clairement que je reprenne ça. Et si ça me fait ça à toutes les coutures, ben machin, je vais les porter un été et c'est fini quoi. Donc voilà. Je remets pas en cause la qualité du tissu. Je pense que franchement, c'est une bonne qualité. Enfin, rien qu'avoir le porté. Franchement, j'y suis vraiment bien dedans. Mais je pense être trop brute, voilà, pour ce tissu. J'ai peut-être trop cranté ou. Enfin, voilà, j'en sais rien. J'en sais rien. Pourtant, j'ai déjà travaillé des viscoses, etc. Mais bon, celui-ci, moi, je le trouve difficile, quoi. Donc voilà, ce top, je le trouve trop canon. En plus, avec les petits boutons en nœuds. Donc, ceux-là, je les avais trouvés dans une boutique, une mercerie près de chez moi. Voilà. Et il y a une chose que je voulais vous parler aussi, c'est au niveau des boutonnières. Je vais vous montrer mes boutonnières. Donc moi, je l'ai fait avec ma machine. J'ai une brodeur RH 137. Et les boutonnières, j'ai mis longtemps. Ah, oh, je suis dégueu. Il fait pas la mise au point. Pourquoi il fait pas la mise au point? Bon. Donc les boutonnières sont nickel et c'est filoche pas du tout. Et pour arriver à ce résultat-là, j'utilise de la colle anti-effilochage. Donc là, j'utilise la marque Prime. J'ai trouvé ça sur le site Rascol. Et c'est génialissime. Parce qu'à chaque fois, moi, mes boutonnières, enfin, ça se fait la malle, hein. Je veux dire, une fois qu'on a coupé et qu'on ça passe à la machine, ça, moi, ça reste rarement bien net comme ça en place. Tout en 15 000 fils qui se barrent. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait la boutonnière avec la machine. Avant de la couper, donc, on fait la boutonnière. On met la colle sur le bord de la boutonnière. On laisse bien sécher. Et une fois que c'est bien sec, on peut couper. Donc, on le voit quand c'est sec, hein. Quand on pose la colle, en fait, le tissu, bah, il se fonce, quoi. Une fois c'est sec, bah, en fait, on voit bien que le tissu est devenu bah, tout sec, hein. Il est couleur normale. Et puis là, on peut couper. Et ensuite, il n'y a aucun problème. Ça tient au lavage. C'est nickel, c'est propre. Je suis vraiment contente parce que. Ça, bah, après, ça fait ça un peu sale. Hein. La boutonnière qui s'effiloche avec le bouton autour. Hein. Bon, ça fait pas très, très joli, quoi. Donc voilà, je suis très contente de ce top. Je vais en faire plein parce que franchement, pour l'été, moi, j'aime beaucoup. Mais ce tissu, c'est terminé pour moi, quoi. Terminé. Franchement, il est super agréable à porter. Je le kiffe, mais c'est terminé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le top Ségur et on va passer à la prochaine couture. Donc pour la suite, je voulais vous présenter la jupe mai. Donc la jupe mai, elle est issue du livre Ma garde-robe. Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Donc de Charlotte Ouzou. C'est un livre que j'adore vraiment. J'ai fait pas mal de choses dans ce bouquin. Et donc la jupe mai, elle est ici. Voilà, donc en fait, ils disent que c'est une jupe froncée avec une ceinture taille haute qui vous permettra de dompter la fonction boutonnière de votre machine à coudre. Donc voilà, la particularité de cette jupe, c'est le petit détail au niveau de la ceinture. On a comme un petit V au niveau de la ceinture. Donc c'est une jupe qui est quand même assez facile. À
Alors, moi, je l'ai découpé en taille 38 parce que c'est ce que je correspondais en fonction du tableau des tailles du bouquin. Les marges ne sont pas incluses, donc bon, après, ça va assez rapidement de rajouter les marges parce qu'ici, c'est de simples carrés avec donc une ceinture devant et une ceinture dos. Voilà. Et donc, je n'ai fait aucune modification particulière. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc, on retrouve en haut la fameuse encoche qui est sur la ceinture devant. Donc, sur le devant, j'ai posé 1, 2, 3, 4. 5, 6 boutons. Donc ce sont des petits boutons noirs tout simples. Le dos, donc il est tout simple. Voilà, donc en ce qui concerne le tissu c'est une viscose que j'avais trouvée à Tissu des Ursules quand j'étais allée chez ma soeur, donc vers Valence. Franchement, je le trouve nickel. Aussi bien à couper qu'à coudre, je le trouve très agréable et à porter. Il est super doux quoi. Il est super doux. Et je le trouvais très sympa avec ses petits. Je sais pas si c'est des tigres ou des pumas. Enfin bref. Donc voilà. Petite jupe, mais vraiment très sympa. Donc c'est la première fois que je cousais ce patron-là. Et vraiment, bon, bah c'est très clair. C'est tout à fait accessible aux débutantes. Que si je vous montre le pas à pas en fait, pour chaque étape, on a du texte et une photo. C'est quand même assez clair, ils indiquent bien où il faut coudre. Enfin bon. Donc honnêtement, bah, ce bouquin, enfin moi je l'adore. Je vais continuer de coudre des modèles dedans. Donc voilà ma petite jupe. Mais, et donc initialement, le but c'était aussi d'assortir les deux. Donc de porter le top Ségur avec la jupe mais alors c'est vrai qu'en termes de couleur ça va super bien. Enfin les deux vont bien ensemble. Par contre en termes de style bof, parce que du coup le mieux avec cette jupe qui est quand même taille haute, c'est. Enfin en tout cas moi ce qui me va le mieux, c'est de mettre un débardeur moulant ou en tout cas un top, un t-shirt moulant en haut. Et la jupe qui est un peu plus évasée en bas. Alors que le top Ségur, comme il est pas forcément moulant. Ça fait large et large. Ça fait un peu trop large, quoi. Je vais vous inclure des photos du coup de la petite jupe avec un débardeur. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la jupe. Mais ensuite, donc on va passer à la prochaine couture qui est la salopette de la marque NVDE Collective. Alors. C'est un patron PDF que j'ai, donc je vous mettrai un schéma technique par ici. Donc pour cette salopette, donc j'ai donc décalqué la taille S qui correspond exactement à mes mesures par rapport au tableau de taille. Les marges sont incluses pour ce patron, donc ça c'est un bon point. Au niveau du métrage utilisé pour faire la salopette, j'ai utilisé 1 mètre de tissu, sachant que pour cette réalisation, j'ai redessiné des parementures et que je les ai faites dans un autre tissu. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de modifications. Donc je vais déjà vous la montrer et ensuite je vous explique tout ça. Donc le repassage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cadeau, hein. Donc voilà ma version de salopette. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, le patron initialement, c'est un patron d'une salopette en mode short normal. Sauf que dans ce patron, on nous propose de transformer en salopette robe. Donc pour ça, il y a les explications dans le patron. C'est très facile et très bien expliqué. Aucun souci là-dessus. Ensuite, donc le patron est tout simple. Il n'y a pas de boutonnage ou de fermeture sur les côtés. Et la salopette comprend une poche. Donc moi que j'ai décidé de faire dans le sens inverse du doigt fil pour jouer avec les rayures. Ensuite,
Il existe deux bretelles qui peuvent être réglables hein, si on achète le système de fermeture exprès. Donc moi je l'avais pas, c'était pendant le confinement. Donc je ne pouvais pas en commander en tout cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement cousu les bretelles à la taille qu'il me fallait. Donc voilà, elles sont plus réglables, mais elles me vont comme ça. Et ensuite, donc on pose une attache salopette. Donc c'est très facile à mettre. Hein. En fait, le tissu est juste dans la petite anse en métal. Voilà. Et un bouton, enfin deux boutons de jean du coup. Voilà. Donc cette salopette, vraiment, je la trouve vraiment chouette. Je vais essayer de vous mettre une photo. Par contre, donc j'ai fait quelques modifications. Aucune modification difficile. Hein. Donc première modification, quand j'ai essayé la salopette, je la trouvais un petit peu large. Donc j'ai repris 1 cm de part et d'autre de la couture de chaque côté. Parce qu'en fait, il faut qu'elle reste un petit peu large, hein, parce que vu qu'il n'y a pas d'ouverture sur les côtés, on l'enfile donc soit par en haut, soit par en bas, il faut que ça passe entre autres les fesses. Voilà. Donc, j'ai repris 1 cm de chaque côté, mais pas plus. Voilà. J'ai raccourci la longueur de la jupe de 5 cm. En fait, dans les explications, donc je suis en train de me remémorer, dans les explications pour faire la version robe, donc ils vous expliquent comment faire et ensuite ils vous disent pour éviter que ce soit trop court, il faut absolument rajouter plus 10 cm. Donc ce que j'ai fait, et en fin de compte, j'ai re-raccourci de 5 cm et ensuite j'ai fait un ourlet de 4 plus 1. Donc au final, si j'avais rien rajouté, si j'avais rajouté que mon ourlet... ça aurait été suffisant. Mais bon, j'aime autant le faire un peu trop long et raccourcir après que... Donc voilà. J'ai raccourci de 5 cm par rapport au plus 10 cm recommandé par le patron. Donc où ils nous disent de rallonger. Ensuite, donc j'ai raccourci les bretelles comme je vous explique tout à l'heure pour que ce soit exactement adapté à ma taille. Donc moi, je mesure 1m63 et j'ai raccourci les bretelles de 15 cm. Voilà, je les ai raccourcis directement dans la partie dos. Ensuite j'ai modifié sur le patron, donc là j'ai pas modifié sur cette version là en fait quand je porte ma, ça va peut-être pas se voir là, mais quand je porte ma salopette, en fait les bretelles ont tendance, en fait elles sont coupées droites et en fait elles partent normalement en biais pour venir se poser sur les épaules. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que ça fait ça en fait. En gros, j'exagère le trait. Hein. Ça fait ça quand ça vient sur mes épaules. Donc quand je la porte, eh ben on voit, en tout cas de ce côté-là, il y a un surplus de tissu. En fait, sur mon patron, j'ai modifié pour la prochaine fois, parce que je vais en refaire. J'ai modifié pour en fait couper la bretelle en biais et qu'elle parte directement sur le côté. Au lieu de partir droite comme ceci, et que le pli se fasse... Au niveau du tissu, moi je trouve pas très esthétique. J'ai directement enlevé 1 cm. Comme ça, la bretelle part directement en biais, se pose correctement sur mon épaule. Et ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà, ça c'est les principales modifications que j'ai faites. Et ensuite, donc j'en ai fait une derrière. Donc ça, c'est grâce à... alors, il me semble que c'est Virginie, de l'atelier de vie, qui a déjà cousu cette salopette. Et elle avait déjà, il me semble que c'est elle, je ne sais plus, mais je crois que c'était il y a longtemps, elle avait déjà dit qu'il manquait une parementure. En fait, effectivement, dans le patron, il prévoit en fait une mini parementure pour le devant qui fait environ, 3 cm sur le devant. Et par contre, pour le dos, rien n'est prévu. Donc en fait, il faut surjeter les coutures et replier les côtés. Moi, ça ne me plaisait pas du tout comme finition. Je voulais quelque chose de bien fini. Donc, j'ai redessiné moi-même des parementures. Donc, ça, pas compliqué. Il suffit de reprendre la forme du devant et puis d'ajouter les marges de couture sur les côtés comme... voilà. Donc, en gros, une parementure, c'est quoi? C'est un devant, mais court. Hein. Voilà. Donc, j'ai redessiné les parementures devant et dos. Et du coup, ça m'a permis de faire une finition nickel. Les bretelles...
les bretelles sont bien prises dans la parementure. Et puis, je veux dire, tout est cousu, nickel, quoi. Voilà. On ne voit rien du tout. Alors là, j'ai pas du tout entoilé ma parementure, ce qui est une erreur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, j'ai dû oublier. J'ai dû oublier, ce qui fait que, bon, bah voilà. Après, là, par contre, je suis obligée de mettre un coup de repassage parce que la parementure est en coton. Ma robe, c'est un jean. Alors, je pourrais pas vous dire où est-ce que je l'avais acheté. Ça fait un moment que je l'avais dans mon stock. Et du coup... Enfin, ce soleil, je vais essayer de décaler le rideau. Voilà. Ce sera peut-être mieux là. Donc du coup, oui, donc j'ai pas entoilé la parementure, mais ça c'est un oubli de ma part. Du coup, le coton est en permanence tout fripé. Bon voilà, faut que je le repasse. Mais ça aurait eu quand même un meilleur rendu si je l'avais entoilé. Voilà. Et autre chose que je fais aussi pour maintenir la parementure, c'est tout le temps, je fais, donc là je suis sur le côté de la salopette, je fais tout le temps une petite couture dans la couture de côté qui inclut la parementure. Et ce qui fait que la parementure est fixée au côté, mais donc ma surpiqûre ne se voit pas puisqu'elle est dans le sillon de la couture de côté. Ce qui permet de maintenir la parementure sur le côté sans que ça se voit en fait. Donc voilà, pour ma petite salopette, j'en suis vraiment ravie, je l'aime beaucoup, donc je vous inclurai quelques photos, et je vais en refaire, là j'ai un satin de coton rose poudré, on va dire, qui est juste en bas, et je me vois bien la refaire là-dedans. Vraiment, je suis très contente, et bon, dans un mètre de tissu, c'est quand même très raisonnable, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette petite salopette. Et donc, une fois que j'avais terminé, il me restait du tissu, il me restait pas grand-chose. Je sais même plus combien il me restait. Et là, j'ai pas fait la fiche pour ce projet-là. Donc, ce que je voulais faire, c'était refaire un short manège. Alors, le short manège, je l'avais déjà fait il y a un petit moment de ça. Je l'avais fait en taille M. Et en fait... Bon, je sais pas si c'est que j'avais un peu minci ou si le tissu s'était détendu, enfin... Je le trouvais en fait un peu large. Au fur et à mesure, enfin... Il me tombait un peu trop sur les hanches, c'était pas très agréable. Donc j'avais donné mes shorts à une copine. Et donc là, je me suis dit, ben, je vais le retenter en taille S, vu qu'il me restait du tissu et que ça passait. Donc, le voici. Donc, le short manège... Donc, il est de la marque M comme Marie. Donc, il se caractérise par une ceinture devant et une ceinture dos qui sont thermocollées. On a des pinces, je ne sais pas si on va les voir. On a deux pinces sur le devant et deux pinces sur le dos. Voilà. On ne va pas les voir avec mes rayures, mais... donc ensuite on a deux poches. Donc moi j'ai choisi de les faire dans le tissu contrastant, hein, mais on peut tout à fait les faire dans le même tissu. Et le short se ferme par une fermeture éclair invisible, qui moi n'est pas tout à fait invisible. Alors j'allais dire sur le bas du short ça va encore, mais non, en fait à chaque fois qu'il y a des épaisseurs, donc au niveau de la poche là ici, et au niveau de la ceinture, j'arrive pas à ce que ce soit clean en fait. Alors je sais pas comment vous faites, alors dites-moi un peu. Moi j'ai un pied spécial fermeture éclair, oui, je l'ai pas là, je l'ai pas sous les yeux. J'ai un pied spécial fermeture éclair que j'utilise, hein, mais quand il y a trop d'épaisseur comme ça, je n'y arrive pas. Alors c'est pas dégueulasse, mais disons que ma fermeture n'est pas invisible, quoi, on la voit nettement. Donc voilà, enfin, si vous avez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à m'en donner là-dessus, ça m'intéresse. La plupart du temps, moi, sur des tissus fins, je sais en poser. Mais c'est vrai que quand il y a des épaisseurs, je galère complètement. Donc voilà, et ensuite, on assemble le short. Et ensuite, pour la ceinture, pour la finition intérieure de la ceinture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement surjeté. Et... j'ai surpiqué à l'avant dans le sillon de la couture. Comme ça, à l'avant, on ne voit rien du tout.
Et à l'arrière, on a une couture assez discrète quand même. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai fait des ourlets classiques. Un simple surjet et j'ai replié. Voilà. Alors, pour ce short, rien de particulier. Je suis vraiment contente de l'avoir fait en taille S. Sachant que au niveau des tableaux détails, c'est un peu bizarre parce qu'en fait on parle de taille S, de taille M, et par exemple la taille S ça comprend du tour de hanche numéro, enfin du tour de hanche, je vais dire une bêtise hein, mais si vous faites entre 90 et 94 cm de tour de hanche, alors vous faites S. Si vous faites entre 94 et 98, alors vous faites M. Je crois que c'est d'ailleurs ça les valeurs, parce que moi je fais un 94. Et donc du coup, ben, soit je suis dans le bas du... Enfin, je sais plus. Soit je suis dans le bas du M et dans le haut du S. Enfin, donc bon, un peu... voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait en... Je vous inclurai des photos. Je suis vraiment contente de l'avoir fait en taille S. Parce qu'il me va bien. Au final, je suis très bien dedans. Et ben, c'est un petit short d'été vraiment sympa. J'ai déjà chaussé avec mon top Ségur. Il va parfaitement pour le coup là. Ces deux pièces qui vont bien ensemble. Et bah avec après, là finalement c'est du noir et blanc, donc avec mon petit top Gilly de Ready to Sew que j'avais fait le mois dernier, il va très bien aussi. Et après bon bah avec des débardeurs simples, noirs, il est parfait. Voilà, donc j'en suis très contente et je vais en refaire parce que j'ai pas mal de coupons. Alors c'est idiot parce que là j'ai pas noté, mais il me semble qu'il faut une cinquantaine de centimètres de tissu. C'est suffisant, en tout cas pour ma taille. Vraiment, vraiment top, top. Voilà, donc c'est tout pour la couture de vêtements. Il y a un truc dont je voulais vous parler. C'était de ce pied pour la machine à coudre. Alors, ce pied, pour moi, il est présenté comme étant un pied à ourlet invisible. Alors, je m'en suis jamais servi comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous voyez comment il est fait. Attends, on va rien voir du tout, en fait. En fin de compte, on voit pas bien parce que ça ne fait pas la mise au point, mais il y a comme une petite... Il y a comme une petite fente, là, en dessous du pied. Ce qui permet, en fait, si on cale le tissu au niveau du... de la partie blanche du pied et qu'on règle bien la position de son aiguille, il y a moyen de faire de jolies surpiqûres. C'est ce que j'ai fait pour toutes mes surpiqûres. Donc là, on va pas bien voir parce qu'il y a du surjet. Mais si je reprends ma salopette, je peux vous montrer que la surpiqûre, elle est vraiment ultra régulière. Elle est ultra régulière et c'est vraiment très joli quoi. Sur l'avant, aucun problème. En fait, donc je mets le tissu. Alors je sais que normalement il ne faut pas faire ça. Normalement, quand on fait des surpiqûres, c'est quand même mieux d'avoir le tissu en droit face à nous. Parce que souvent, le tissu. Enfin, le côté cousu qui est côté, on va dire, canette, est moins joli que le côté bobine. Mais pour pouvoir utiliser le pied que je vous ai montré et pouvoir utiliser cette technique, il faut suivre un bord quoi. Donc moi j'ai pris l'envers face à moi. J'ai pris l'envers face à moi. J'ai calé mon pied blanc. Donc je ne sais déjà plus où je l'ai posé. J'ai calé le blanc de mon pied contre le tissu. Comme ça. J'ai réglé mon aiguille pour avoir une surpiqûre à 2 mm. De la partie blanche de mon pied et en fait tout le long j'ai plus qu'à suivre, voilà. Et franchement c'est vraiment nickel et vraiment je suis vraiment contente de cette finition quoi, parce que du coup c'est aussi impeccable à l'intérieur que à l'extérieur. En fin de compte il n'y a pas, des fois moi ça m'arrive quand on fait ça un peu à l'aveugle, quand on le fait sur l'endroit, là ça va être bien piqué, après ping, je pique à côté, enfin bon. Donc là, je suis vraiment très contente. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez ce pied, du coup, que je n'ai pas utilisé du tout dans sa fonction principale, qui est ourlet invisible. Il faudrait que je tente, une fois, je n'ai jamais essayé.
Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé et si vous avez d'autres astuces pour essayer de faire de jolies surpiqûres pour que ce soit bien net, aussi net à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que moi c'est ce qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, on va passer au dernier projet cousu qui est de l'accessoire. Donc mon dernier projet cousu, c'est ce petit sac à projet. Donc du coup, côté tissu. Le tissu blanc, je ne sais plus ce que c'est un reste que j'avais, je ne sais même plus d'où il vient. Le Vichy rose, c'est un reste, le dernier reste qui me restait des 3 mètres de coupon de tissu que j'avais acheté il y a au moins 4 ans au coupon de Saint-Pierre. Il est fini, c'est bon, on n'en parle plus. Donc j'en ai profité pour doubler toute la pochette et faire on va dire le biais pour finir le haut de la pochette. Sur le devant de la pochette, je ne sais pas si on vient bien voir, mais donc c'est du flex que j'ai posé. Donc j'ai trouvé une image sur internet qui me plaisait. Et je l'ai découpé dans du flex. Donc je ne sais pas si on va voir, mais c'est du rose à paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Donc rose à paillettes, gris à paillettes et les contours noirs. Voilà, tout ce que j'aime. Du rose, des paillettes, il manque les licornes. Et ensuite, j'ai rajouté un petit texte en dessous. Bi créative, voilà, pour faire un petit peu sympa. Et pour donc en fait, j'ai créé une coulisse, hein, le but du haut. Donc là, c'est un patron maison, hein, c'est pas difficile à faire. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un tuto pour faire une pochette comme ça, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, voilà, je pourrais faire peut-être un tuto pour savoir et comment découper le flex, le poser et puis ensuite faire la pochette. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Donc pour faire la coulisse, en fin de compte, j'ai mis un œillet de chaque côté de mon sac dans lequel j'ai fait passer de la corde. Donc la corde, c'est de la corde, je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas sous portée de main, c'est de la corde. Il me semble que c'est de la DMC. Je suis plus sûre. Il me semble que c'est de la DMC. Donc voilà. Donc je suis très contente de ce petit sac. Il me sert à mettre mes projets crochets. Donc là, bah, bonne transition. On va passer à la partie crochet. Donc je vous avais dit le mois dernier que je pensais m'y mettre. Donc effectivement, je m'y suis mise. Côté crochet, j'avais acheté un lot de crochets chez Action. Voilà. Donc, c'est un lot où il y a 1, 2, 3, 4, 6 tailles de crochets différentes. Donc, ça va du 3 au 10 mm. Donc là, par exemple, voilà le 10 mm. Donc, c'est un sacré crochet. Et le 3, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc là, c'est le 4. Donc voilà, ce sont des crochets comme ça, tout simple. Donc une couleur différente pour chaque taille. Les tailles sont gravées sur le crochet. Je ne sais pas si on va voir. Et donc le crochet est tout simple, il n'est pas forcément ergonomique. Alors, je me suis rendu compte que sur des grosses tailles, c'était pas gênant parce que ça se prend bien en main. Par contre, sur des petites tailles, là, le projet que je vais vous montrer, je le crochète en crochet numéro 3. Il est là. Crochet numéro 3, c'est tout rikiki, quoi. Donc là, juste pour vous montrer par rapport à mon stylo bic, enfin, c'est rikiki de chez rikiki. Et là, pour le coup, en termes de prise en main, ça fait un peu mal au bout d'un moment. Au bout d'un moment, quand on crochète, ça fait mal. Donc voilà, suite à ma toute première expérience, là, ce que je peux vous dire, c'est que les crochets Action sont bien pour débuter. Parce que là, je vous ai pas dit, mais je crois que c'était 2 euros la boîte de crochets, quoi. Donc pour débuter, c'est bien. Les gros crochets, finalement, ça va, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les petits crochets, ça fait un peu mal aux doigts. Donc là, je vais racheter des crochets en petite taille, mais plus ergonomiques, c'est-à-dire ceux qui ont la partie en caoutchouc sur le bout du manche là. Comme ça, ce sera beaucoup plus sympa. En gros, j'aurai une partie épaisse
sur le bout du manche et ça me fera moins mal aux mains. Parce que là, en fait, au bout d'un moment, j'ai un peu comme des crampes aux mains, en fait. C'est pas très agréable. Bon, soit, ça m'a pas empêché de crocheter. Donc, côté crochet, j'avais acheté, en fait, sur Maquériste, quand ils faisaient les promotions des patrons à 2€, j'avais acheté un patron de crochet, donc c'est Bernard Lannes. Donc j'ai jamais crocheté de ma vie, j'ai suivi ce patron là. Ce que j'ai fait en premier lieu d'abord, c'est déjà, je suis allée sur YouTube et j'ai regardé comment se formait un cercle magique, comment se faisait une maille serrée, etc. Donc voilà, les premières étapes j'ai fait sur internet, j'ai fait un vieux cercle magique en m'aidant de la technique et puis je me suis entraînée à crocheter. Voilà. Et ensuite je suis directement passée au patron PDF que j'ai. Donc le patron PDF est très bien expliqué, on vous dit quel crochet elle utilise, on vous dit qu'est-ce qu'il faut utiliser du coup comme laine, on vous explique qu'on peut changer de taille de laine, ça va juste changer on va dire la taille du projet final, mais on peut le faire, et ensuite on attaque. Donc pour chaque partie où je galérais un peu, je retournais voir sur YouTube, parce que un cercle magique, une fois qu'on l'a fait une fois, on s'en souvient pas. Donc il a fallu que je retourne voir comment on faisait, etc. Mais on prend vite le coup de main. Donc là, je vais vous montrer la tête de Bernard Lannes. Trop rigolo, je trouve. Il est vraiment magnifique. Donc là, pour la tête, on commence par le haut de la tête. On fait un cercle magique et puis on crochète en spirale tout du long en faisant des augmentations régulièrement. Et ensuite, vers la fin, on part sur des diminutions. Donc là, pareil, je ne savais pas faire, j'ai regardé sur YouTube. On part dessus des émissions, puis on finit la tête. Voilà. Donc initialement, on a la tête toute grise foncée. Ensuite, on crochète le museau. En spirale, pareil. On crochète en spirale. Et ensuite, nous voilà partis pour rembourrer la tête. Y accrocher les yeux. Donc là, ce sont des yeux de sécurité. Honnêtement, j'ai commandé un lot d'yeux de sécurité sur Amazon. Voilà. Parce que c'était le plus simple et voilà. Donc voilà, ensuite on brode les petites narines, on crochette les oreilles qu'on vient ensuite coudre à la tête. Alors pour la couture, tant que j'y suis, la couture, je ne sais pas si on va voir, mais ma première couture se situe ici. Donc on voit que c'est pas net net. En fait, dans le patron, ils disent de prendre que le premier brin du crochet et de coudre. Et je trouvais que c'était pas super net net quoi. Donc ce que j'ai fait après coup, c'est que j'ai pris les deux brins du crochet. Et là, alors sur la caméra, on voit fort la différence, mais en vrai, on voit beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup plus net de ce côté-là que de ce côté-là. De ce côté-là, on voit comme s'il y avait plein de fils. Enfin, c'est pas des fils, hein, c'est... En fait, on voit le fil de couture, quoi. De ce côté-là, on ne voit quasiment pas, en fait, s'il suit complètement. Donc après, voilà, j'ai fait tout le temps cette technique de prendre les deux brins du crochet... Les deux brins, je veux dire de la maille, pour coudre le museau en fait. Et pareil, j'ai fait pareil pour les oreilles. Et ensuite, pour les cheveux, alors là, il y a 100 cheveux posés 1 à 1. 100. Voilà, ça m'a pris longtemps. Au final, c'était pas si déstressant que ça, mais le crochet en lui-même, c'est super déstressant. Mais alors là, coudre, enfin c'est pas coudre, mais c'est crocheter les cheveux à un. Donc en fait, on passe le crochet dans une maille, on vient récupérer un cheveu, et en fait on fait une boucle qu'on tire. Et ce qui fait qu'en fait les cheveux sont accrochés un à un. Après ça fait un super joli rendu, hein. Franchement c'est super joli. Hein. Mais bon, c'est long. Donc voilà, une fois qu'on a fait la tête, on passe au corps, et... Mon petit corps, il est là. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas encore rembourré. Le corps est ici. Voilà. Donc là, pareil, on crochète. En fait, on commence par une première patte. Ensuite, on fait la deuxième patte. Et ensuite, on vient relier les deux pattes et remonter tout le corps avec des augmentations et des diminutions pour qu'il ait une forme rigolote. Ensuite, je suis venue coudre des boutons sur lesquels viendront s'attacher des bretelles en fait, des bretelles. Et ensuite, donc, il me manquera à rembourrer le corps, à l'accrocher à la tête, à crocheter la queue, à crocheter les bras
et à tout rassembler ensemble. Voilà. Donc ça, je vous montrerai bah, certainement le mois prochain, il sera terminé. Et ce sera le cadeau d'anniversaire de mon neveu. J'espère que ça lui fera plaisir, en tout cas, pour ses 1 an. Donc voilà, côté crochet, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors honnêtement, le crochet, donc là, c'est vraiment la première fois que je tente et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment, ça détend. Enfin, je sais pas, je trouve ça joli. Je trouve ça mignon de voir au fur et à mesure la petite tête se former, etc. Donc je vais continuer sans problème, j'ai vraiment adoré. Voilà, et enfin, on passe à la partie tricot. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre un projet, donc je reviens. Alors, on revient côté tricot. Donc côté tricot, j'avais mon pull 13 KO qui était en cours le mois dernier. Donc le pull 13 KO, c'est de A Long avec Anna, que j'ai terminé. Voilà. Alors, je l'ai rallongé de, je crois, une quinzaine de centimètres. Donc, très joli. En laine, donc c'est la Merino de chez Drops. Couleur blanche. Voilà, avec ses jolis raglans. Et ensuite, c'est du jersey, du jersey, du jersey. Juste la particularité, c'est le point mousse pour terminer le bas des manches. Ainsi que le bas du pull. Donc là, je l'ai bloqué. Il est nickel, franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Il est juste trop chaud pour le mettre. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai en septembre. Franchement, je suis trop contente. Il y a juste un truc. Alors là, je vais faire appel aux tricoteuses qui me regardent potentiellement. J'ai besoin d'aide. Je trouve que les endroits où j'ai rentré mes fils, ça se voit. Et je trouve ça moche. Voilà. Donc par exemple, ici. Alors, je sais pas si ça se voit dans la caméra, mais là, on voit comme une surépaisseur. Et ça me le fait en fait à chaque endroit où j'ai rentré le fil. Alors, j'essaie de retrouver là. Voilà, par exemple ici. Alors, hop. Alors, la caméra, bien sûr, on va pas voir. Je sais pas si vous allez voir, mais ici, par exemple, on voit une démarcation. Voilà. Et pourtant, j'ai pas spécialement tiré sur les fils quand je les ai rentrés. J'ai essayé de faire ça souplement. Mais bon, je trouve que ça se voit. Alors dites-moi si c'est normal, si c'est pas normal, si j'ai fait quelque chose de mal. Mais en gros, à chaque démarque. Alors oui, moi je le vois. C'est sûr que mon copain, il voit rien, quoi. Mais moi je le vois. Donc voilà. Si je peux m'améliorer et avoir une meilleure technique, bah, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un commentaire. Ou envoyer des messages sur Instagram, ça m'intéresserait quoi. Donc voilà, donc pour un deuxième pull tricoté, honnêtement, je me suis régalée. Il est vraiment facile. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc entre celui-là et le RL que j'avais tricoté précédemment, franchement, pour des débutantes en tricot, c'est nickel. Enfin, on peut y aller. Aucun souci. Et du coup, je voulais attaquer le gilet Blossom de A Long avec Anna. Toujours, franchement, je trouve que ces explications sont bien. Et moi, en tant que débutante, du coup, je préfère rester avec ses patrons, quoi. Donc, le gilet Blossom, alors juste pour expliquer ma logique, c'est que là, suite aux 2 derniers pulls, je voulais essayer de tricoter un gilet et de tricoter la dentelle. En gros, je me suis dit qu'à chaque nouveau projet, j'allais augmenter d'un step en difficulté, on va dire. Ou en tout cas découvrir une nouvelle technique. Donc là, le gilet, ben, j'en ai pas encore tricoté. Et la dentelle non plus. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Donc le gilet Blossom, en fin de compte, là on voit que le dos, mais le devant c'est du jersey. C'est un col V. Et le dos se caractérise par cette dentelle. Donc pour le faire, j'ai fait mon échantillon. J'ai fait mon échantillon. Et c'est là où je vais faire appel une deuxième fois aux tricoteuses. Alors déjà la laine. La laine, j'avais commandé de la Baby Alpaga Silk de chez Drops. Elle est trop belle, elle est trop douce, elle brille, elle est trop belle, elle est trop belle. Est-ce que j'ai la quantité dessus? Non, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, j'ai fait mon échantillon. Et je me pose beaucoup de questions. Si je suis les conseils, ils me disent de la tricoter en aiguille 3,5. Et que je devrais avoir un échantillon de 23 mailles pour 10 ronds. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 3. Voici ce que ça rend.
Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Si je mets à plat contre ma main, c'est bon, on voit un bel échantillon, franchement. Par contre, il est légèrement, on voit que ça aéré, enfin... Voilà, j'ai l'impression comme si qu'on voit le soleil à travers. Alors, je sais pas, bon. Et quand je mesure, moi, donc eux, ils disent qu'avec des aiguilles 3,5, je dois avoir 23 mailles par 30 rangs. Moi, avec des aiguilles 3, donc ils sont plus petites, j'ai 25 mailles par 30 rangs. Et j'ai cet effet, on va dire, ajouré. Alors, ajouré que à contre-jour. Parce que si je le mets contre ma peau, on dirait pas que c'est ajouré. Donc, voilà, je sais pas. Donnez-moi vos conseils. Est-ce que vous pensez que mon échantillon, il est bon? Est-ce que vous pensez qu'il est pas bon? Je sais pas. Non, je suis en train de dire des bêtises. Moi, mon échantillon, je l'ai fait en aiguille 3,5. Je le fais en aiguille 3,5. Donc, eux, avec des aiguilles 3,5, ils doivent avoir 23 mailles par 30 rangs. Et moi, avec des aiguilles 3,5, c'est ça, j'ai 25 mailles par 30 rangs. Donc, ma question, c'est est-ce que je dois descendre en aiguille 3? C'était ça le problème, c'est que je m'étais dit, au pire, je vais faire un échantillon en aiguille 3. Sauf que j'ai pas d'aiguille 3. Et je voulais commander sur le site Rascol, mais actuellement, c'est pas possible de commander. Donc, voilà, je suis bloquée là. Est-ce que vous pensez que c'est trop déjaugé? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je fais appel aux tricoteuses. S'il vous plaît, aidez-moi. Je lui commande mon zinzin. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est que... Donc là, c'est, on va dire, une taille sport, de ce qu'on m'a dit. Quand je reprends mon échantillon DK pour mes autres pulls, je veux dire, on voit rien à travers, quoi. On voit rien à travers. Hein. Ça, c'était le RL. Celui-là un petit peu, celui-là un petit peu. Mais bon, donc je sais pas. Je sais pas à partir de quel moment on dit que c'est déjaugé. Voilà, je sais pas. C'est mes débuts en tricot, donc voilà, je sais pas. Donc là, je suis bloquée à cette étape, voilà. Mon échantillon est fait et je suis bloquée à cette étape. Voilà, je sais pas quoi faire. Ben, j'aurais besoin de votre aide, voilà. Si vous êtes... si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire, quoi. Voilà, et ben c'est tout, on va s'arrêter pour ce podcast-là, parce que ça fait déjà un moment que je tourne. Ben j'espère que donc ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées de tuto, voilà. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, je serai vraiment très contente ben déjà de discuter avec vous. D'autant plus, ben, comme je l'ai dit en début du podcast, si vous êtes... dans la future région dans laquelle je vais habiter. Et puis, bah voilà, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et puis, bah voilà, donc je vous dis au mois prochain, début juillet. Et voilà, et ben au mois prochain.